Bonjour à tous, je fais cette vidéo car j'ai acheté le casque Beats by Dr. Dre sur le site Fightgame. Donc je fais cette vidéo pour tous ceux qui n'osent pas acheter les casques. Donc apparemment ce sont de faux casques, mais vraiment ils ont l'air ça a vraiment l'air d'être des vrais. Donc on va découvrir ensemble. Alors voilà la boîte. Bon, alors on va l'ouvrir. Donc, en l'ouvrant, nous avons donc la boîte avec marqué Beats by Dr. Dre et le signe Monster. Alors après, dans la boîte, nous avons donc les câbles. Avec, je sais pas si vous voyez, mais il y a écrit Monster dessus avec le signe. Donc comme les vrais. Après il y en a un deuxième avec le contrôle du volume pour faire le kit main libre. Après nous avons donc des embouts pour mettre sur des amplis de guitare ou sur des portables. Et après nous avons le manuel de Beats by Dr. Dre avec à l'intérieur un chiffon pour nettoyer le casque et puis le mode d'emploi. Donc voilà. Et venons au plus intéressant maintenant, le casque. Alors le casque, il est donc dans une boîte. Donc la boîte voilà quoi. Alors, voilà. Donc c'est le studio que j'ai pris. Donc on va le déplier. Donc voici. Alors comme vous pouvez le constater, nous avons bien le signe Monster. Là nous avons écrit Beats by Dr. Dre. Enfin voilà quoi. On dirait vraiment vraiment un vrai. Puis le son c'est pareil quoi, il est magnifique. Donc il y a aussi le l'emplacement pour mettre les piles, moi je les ai déjà mises. Donc voilà. Donc bah maintenant on va tester le son. Donc voilà, il est branché donc à mon portable. Donc je vais l'allumer. Puis je vais essayer de trouver quand même du Skrillex. Alors. Donc vous allez voir le son. Voilà. Et j'avais aussi acheté un autre casque Dr. Dre, donc c'était le Solo HD, mais par contre celui-là c'est vraiment un faux, donc je me suis fait avoir. En plus je l'ai acheté 70 euros, alors que le studio là, il m'a coûté 28 euros sur le site Fightgame. Alors celui-là franchement, je suis dégoûté. Déjà quand on l'ouvre, on voit bien que c'est pas du tout la même boîte. Voilà, c'est vraiment nul. Sur la boîte, le logo B, il est en violet. Et moi, déjà, il est en rouge. Première chose.
Après, deuxième chose, il n'y a pas le signe Monster, nulle part. Il n'y a pas écrit Beats by Dr. Dre là-haut. Et puis, ces deux câbles là, il y a deux fils ici, là. Je sais pas à quoi ça sert. Donc, voilà. Donc, le son est vraiment magnifique, hein. Aussi, j'avais oublié de vous montrer, là, bon, peut-être que vous voyez pas, il y a écrit Monster, puis là, Studio. Donc, bah voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, puis franchement, si vous hésitez à acheter sur Fight Game, n'hésitez pas à acheter, c'est vraiment super. I got a hangover, whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover, whoa.